Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Lies Bennett. Mission max, on est tout à fond. Au niveau de ma vie, je crois que ça va. Il faut que je la réétudie. J'avais déjà fait tout ça la dernière fois. Mais je vais le refaire. Bon. Il va falloir faire gaffe parce qu'en fait. Ils vont commencer à se pointer. Je crois que je sois prêt. Toc. Faut mourir, mon vieux. C'était tout? Je me souviens plus. Ah bah remarquez, ouais, je sais pas si je me suis fait toucher. J'en sais rien, on va voir. Saleté! Manger en bas un peu là parce qu'on était touché quand même. J'ai pas super bien esquivé. Ouais. Je fais moins en moins de dégâts en fait. Enfin, ils sont de plus en plus solides. Allez, on y va. Je pourrais repartir chercher les balles, mais je pense que je vais en trouver un peu. Tu meurs pas? Mais vous mourrez, oui? Bande de mobs. Voilà. Oh,
aurait pu descendre? Non. Maquette de bateau, déverrouillée au feu de camp. Bon. Ça, c'est fait. Je vais garder ma machette. Je l'aime bien, ma petite machette. Machette. Il n'y a rien, là. Je vois pas d'autre... On peut aller par là. Ouais, c'est là-bas. C'est dommage ça. Maquette de bateau encore. Mais c'est un morceau de maquette ou pas? Est-ce qu'il faut les mettre les uns avec les autres? Eh oui, dis donc. On peut. Oh, j'en ai que deux. Bon, bah, c'est pas grave. On va pas rester là longtemps avec cette histoire de maquette. On dirait que certains de ces bateaux n'ont pas bougé depuis des années. Mais je me souviens pas les avoir déjà vus. Ah, c'est un... Je suis bête. C'est un silencieux. Ça marchait bien, ça, le silencieux. Ma machette. Vite. Là, c'est de l'eau, c'est quoi ça? Je suis complètement dans la neige ou pas? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a du mob là-dedans. Oh là là, là il y a du boss là. Eh non, fou. Je suis bloqué. Je peux pas l'attraper. Je suis con, je peux pas avancer. Et je peux pas, je peux pas avancer. Je suis entièrement bloqué. Bon, on va continuer par là, si je peux. Et non, même là, je peux pas. Ah, ici, il y a de l'eau maintenant. Je suis bloqué. Ouais, je suis complètement bloqué. Que je peux faire. Je peux pas m'approcher. Je vais essayer de me lever encore une fois, mais je trouve quoi. Bon, 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 bon. Oh oh oh, il se passe quoi? Oh! Oh là là! J'ai plus d'armes! Oh oh!
Non. Mais il me reste plus de glace là. Pas bouger. Ah là là. On revient là. C'est vrai que c'est chiant par contre, ça part. Excusez-moi, mais j'ai même plus de quelques de colt. C'est quand même très dommage cette histoire là de revenir ici à chaque fois. Bon. Tu meurs gentiment, oui. Ah, c'est la panique. Un peu.
Alors, j'avais des balles là-haut, j'en ai vu. Ici, là. Quand tu veux, chef. Alors. Et on avance. C'est bon, c'est passé. Ah, il faut tout refaire. Alors, où est-ce qu'il était le... Le silencieux, il était dans le coin ou pas? Il était là-bas, non? Non, là, c'était que des balles. Alors, Nadia. Nadia. Ok. Bon, on a à peu près tout. Ça, j'en ai pas besoin d'autre. Ah si. Ça y est, je suis au max là. On va donc aller voir ça. Alors le but, ça va être de récupérer et de brûler à chaque fois les petites poupées le plus souvent possible. Maintenant, c'est pas simple. Je suis pas sûr qu'il faille les poulpes là, je suis pas sûr qu'il faille absolument les tirer avec mon grappin. Bon, j'en sais rien. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore accès à mes flingues. Ah, il est bien cool par contre. Ah, il est énorme. T'es énorme. Allez. Déjà. Oh là là. J'ai de vous pas vous montrer tout ça, ça. Ah non, c'est... Non.
C'est pas possible. Wouh! Ah, il était très cool lui. Oh, le coup de flip sur la fin. Tournez la page pour commencer. Lice Bennett. Alors, eh bien, mes suppôts sanguinaires, nouvelle journée. Nouveau cadavre, ce léviathan laconique n'empêchera plus personne, mais n'embêtera plus personne, mais toutes ces horreurs ont du mal à passer. Alors dégustons ensemble, faut que je me rapproche moi, une vengeance servie froide. Alors que les créatures de la... Alors là, il faut que... Je suis complètement perdu. Alors que les restes de la créature massive se décomposent, l'odeur putride du poisson pourri sature l'air. Il ne reste plus qu'une tête coupée familière et son corps qui la tient. Oh. La tête de Nadia regarde fixement Maë et ouvre la bouche pour parler. J'imagine que je dois te remercier. J'ai bâti cette conserverie à partir de rien. J'ai offert à ce village une chance d'exister. Mais quand leurs esprits ont été contaminés, c'est moi qu'ils ont choisi d'accuser. Et ma tête qu'ils ont coupée. Qu'est-ce que tu as fait de mon père ? Ça c'est très chouette, ça j'aime beaucoup. Je n'ai rien fait, ma petite. Tu sais ce qui est arrivé à ton père ? Sur ces paroles, elle disparaît. Elle a rien fait. Et nous, on sait ce qui est arrivé à notre père. Maë quitte la glace et son cœur s'accélère. Elle se sent battre jusqu'à dans sa tête, si fort qu'elle en a le vertige. Elle franchit la porte du phare en titubant. Elle doit s'échapper. Elle doit trouver un endroit sûr, un endroit paisible. Pauvre. Alors, aussi brusquement qu'il était arrivé, le bruit disparaît. Elle sait où aller maintenant. Et on revient dans le phare. Ok. J'ai toujours rien là. Tous les coups, il est là. À tous les coups, il est là, son père, en fait. C'est elle qui l'a enfermé. Pour quelle raison, je saurais dire. Ouais, ça fait du bien, effectivement. Ça va mieux. Bon, bah écoutez, on va donc s'arrêter là. Je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dirai à bientôt. Je pense qu'on arrive sur la fin. Je sais pas trop, mais j'en ai l'impression. Allez, je vous dis au revoir. Et je pense qu'il va falloir aller là. Il doit être derrière le petit papa. Allez, à bientôt.